savez, sur les réseaux sociaux, le plus souvent, la haine engendre la haine. Non. Mais il y a des exceptions et l'histoire de ce matin en est une. Regardez cette photo que vous avez sans doute vu tourner sur Twitter. Je vous présente Alfie, 12 ans, c'est un passionné de rugby qui vit au Pays de Galles, à Oakdale. Une photo qui a été publiée par son père comme un coup de gueule. Le père d'Alfie qui souligne en commentaire son exaspération face aux critiques d'un internaute qui juge son fils trop gros pour pratiquer le rugby. Et il enchaîne, si seulement les gens savaient à quel point il travaille dur pour être en forme et à quel point sa confiance en lui est faible, ne t'inquiète pas Alfie, je serai toujours ton plus grand fan. Résultat, Alfie n'a pas un fan, mais des milliers. Entre les anonymes qui démontrent à coups de photos que le physique ne compte pas, l'équipe de rugby du Pays de Galles qui a fait cette vidéo, regardez. Hey Alfie, un message de toute l'équipe. Ne lâche pas et continue de prendre du plaisir à jouer. Bonne chance. Ou encore l'arbitre gallois mondialement connu Nigel Owens qui lui dit de continuer et lui promet de mettre sa pré-retraite entre parenthèses le temps d'un match d'Alfie qu'il serait prêt à venir arbitrer. Bref, tout le Pays de Galles est derrière Alfie, mais ça n'est qu'une vague d'amour face au tsunami qui va suivre. Regardez, depuis la Nouvelle-Zélande, les All Blacks ont écrit « Tu as beaucoup de fans ici ». Kiaka, qui signifie en maori « Reste fort », la rugby family est là pour toi. L'instance mondiale du rugby écrit « Le rugby est un sport incroyable et tant que tu t'amuses, c'est tout ce qui importe, Alfie ». Regardez toutes ces fédérations également qui ont soutenu le jeune homme d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande et de France, ici en bas à droite. Avec ensuite un message personnel, regardez, du français Mathieu Jalibert qui explique que lui, eh bien, il paraissait trop gringalet aux yeux des autres, aux yeux de certains quand il a commencé. Mais alors celui qui résume peut-être le mieux la situation, il lui a envoyé un message hier soir en vidéo, c'est le champion du monde et premier capitaine de l'histoire noire en Afrique du Sud, c'est Siya Kolisi, regarde. Salut Alfie, c'est Siya Kolisi depuis l'Afrique du Sud. Je voulais juste te dire que tu as un fan. Ce fan, c'est moi, et tu en as beaucoup d'autres dans le monde entier, comme tu as pu le constater avec tous les messages de soutien que tu as reçus. Tout le monde est le bienvenu au rugby, les filles, les garçons, jeunes, vieux, et j'espère que j'aurai l'occasion de te voir jouer. Et j'espère aussi que tu vas faire revenir Nigel Owens pour arbitrer un match. Ouais, ce serait vraiment incroyable. Donc prends du plaisir, et j'espère te rencontrer un jour. C'est tellement incroyable ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Tout le monde de l'Ovalie qui s'est passionné et qui s'est levé pour Alfie. Donc vive le rugby.